Salut les loulous, c'est Nono, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'Astuces et je vais vous parler aujourd'hui d'une guitare reliquée par le site Reliquart Guitar et notamment Michael Boudou. C'est parti! Alors avant de commencer cette vidéo dans le vif du sujet, je tiens juste à vous dire que je ne tiens pas à rentrer dans le débat « le reliquage c'est bien, le reliquage c'est pas bien, c'est artificiel, ceci, cela, blabla ». J'en ai rien à faire. Je vous laisse vous étriper et vous entretuer dans les commentaires si vous le voulez, les petits-enfants. C'est un espace d'expression. À partir du moment où il y a le respect qui est de mise, il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas. Par contre, moi, je ne m'en mêle pas, ça ne m'intéresse pas. Donc en fait le truc c'est que j'ai envoyé une guitare à Mr. Mike, comme je l'appelle, à Michael Boudou, la guitare que voici, donc je vous invite à cliquer sur le lien, hein. Il s'agit d'une Charvel Sandy Mass blanche, mexicaine, hein, que j'ai acquise neuve, et je voulais donc un reliquage sur cet instrument. Alors donc j'ai envoyé la guitare donc à Mr. Mike, et je lui ai indiqué les finitions que je voulais, pour pouvoir mener à bien le projet. Alors, comment qualifier Michael? Donc, c'est selon moi donc un artisan reliqueur qui vous propose de choisir une finition pour votre instrument, quelle qu'elle soit. Il peut changer les couleurs, il change les vernis, et il relique plus ou moins intensément votre guitare. Si vous voulez qu'elle ait juste un light relique, un relique assez léger, eh ben, ça ne représente aucun problème pour lui. Par contre, moi, j'ai demandé un heavy relique. Donc avant de vous montrer le résultat, je vous montre à nouveau des petites photos de cet instrument que j'avais prise avant l'envoi. Donc vous voyez, le blanc est immaculé, elle est totalement neuve. Le blanc est absolument impeccable. Plus blanc que blanc, comme on dit. Avec un manche érable et puis une tête en érable. Et voilà le résultat que Mr. Mike m'a montré au fur et à mesure des étapes de l'élaboration. J'ai contrôlé absolument chaque étape. Vous voyez donc que la couleur a été changée. J'ai désiré une couleur métallisée orange. Je ne me souviens plus de la référence exacte, mais je vais l'inscrire dans la vidéo, hein, bien sûr. J'ai des défaillances de mémoire. J'ai demandé une tête assortie. Une tête assortie au corps. J'ai trouvé ça plus classe, tout simplement. Et un heavy relique. J'ai demandé à ce qu'il insiste bien sur le reliquage pour que cette guitare ait l'air d'avoir au moins 30 ans de tournée derrière elle. On regarde ça en détail, je vais la prendre en main. La guitare. Alors donc, même si Mike a des secrets de fabrication ou alors d'élaboration qui lui sont propres et qu'il tient à garder, et je le comprends, je vais juste vous détailler ce que je sais, c'est-à-dire les petites étapes qui ont servi à réaliser ce reliquage. Alors, même si c'est une vidéo d'astuces de Nono aujourd'hui, je ne vais vous donner aucune astuce particulière. C'est juste pour moi l'occasion de vous parler d'un artisan français qui fait son travail de façon excellente. En tout cas, c'est mon opinion. Alors donc, comme vous voyez, donc cette guitare, elle présente des dégradations qui sont tout à fait réalistes. Par exemple, là, ici, on voit bien que on a cherché à simuler les rayures des bouclons de ceinture au niveau du dos de la caisse, hein. On a ici aussi cherché à reproduire l'usage standard d'une guitare, hein, vis-à-vis d'un guitariste standard, hein, si je puis dire. Au niveau des cases, hein, on voit bien que les cases, que ce soit à l'arrière ou au dos du manche, hein, ce sont les régions les plus parcourues par la main qui ont été usées le plus, hein. On voit bien sur la tranche d'ailleurs que c'est relativement sombre et crasseux, hein. Moi, ce genre de manche là me charme particulièrement, hein. J'adore les manches érables bien crasseux, bien usés. Donc on voit aussi que la couleur de son vernis nitrocellulose est assez jaune, ce qui a tendance à être très cohérent vis-à-vis de l'âge qu'on souhaite donner à cet instrument là Donc alors en fait, en termes d'attente, moi j'ai mis 2 mois pour avoir ma guitare, hein, ce qui est tout à fait raisonnable, pour avoir quelque chose d'extrêmement réaliste et bien fait, hein, pour ce qui est de la main d'œuvre. Mike communiquait énormément, il m'a envoyé plein de mails, il m'a envoyé plein de photos de l'élaboration du reliquage. Il m'a demandé si le niveau de reliquage me convenait suffisamment, ou alors s'il fallait arrêter, ou alors s'il fallait un petit peu plus insister là-dessus. Donc très professionnel de ce côté-là.
J'ai reçu la guitare donc 2 mois après. J'ai payé à peu près 400 € avec un petit supplément pour le logo, pour payer un nouveau logo parce que le premier avait été donc dégagé. Voilà. Donc un prix qui selon moi est tout à fait raisonnable pour une nouvelle teinte et surtout ce niveau de reliquage qui est tout à fait réaliste. Avec des pins qui sont cohérents et qui indiquent, même si c'est faux, et ben l'âge qu'on voudrait donner à cet instrument-là. Ultime luxe, donc, hein, c'est le craquelage du vernis au niveau du corps et de la tête. Hein. Donc c'est vraiment très très appréciable et très très bien fait. Voilà donc pour les grandes lignes de l'élaboration. Alors je viens de vous brosser un petit peu, même si ce ne sont pas véritablement des vidéos d'astuces que vous pouvez faire vous-même, c'était hein, juste l'occasion de causer d'un artisan reliqueur français, donc il n'y a aucune raison de ne pas encourager les artisans français, ainsi que les activités en rapport avec la guitare en France. Donc j'espère que ça vous donnera envie de le contacter pour éventuellement franchir le pas pour ceux qui aiment bien le reliquage et qui adhèrent au concept. En ce qui me concerne, je vous fais la bise et je vous souhaite le bonsoir, les petits amis. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo d'astuces ou une vidéo parlée tout court, ou la prochaine vidéo tout simplement. En ce moment, je cartonne pas mal au niveau du débit, on va dire. À tchuss.